Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui il est 8h30. Je suis explosée vraiment. Hier soir je me suis couchée super tard. Je comptais finir le montage de la vidéo que vous aurez vu lundi du coup. J'ai pas pu parce que mon ordi faisait que planter. Il m'a jamais fait ça, donc j'ai essayé de lancer des trucs, on regardera tout à l'heure. Je vais être obligée de faire mon montage aujourd'hui du coup. Aujourd'hui le programme du jour c'est d'avoir les clés de l'appart. Ça c'est trop bien. À 9h30 j'ai donc l'état des lieux. Là je me prépare, on va partir je pense dans une demi-heure. Et du coup une fois qu'on aura fait l'état des lieux, on va rentrer, on va revenir ici pour rechercher les produits, j'allais dire les produits de maquillage, les produits de ménage, l'aspirateur, tout ça. Et après on emmènera tout ça en voiture parce que là on va y aller à pied pour que ça aille plus vite, qu'on n'ait pas besoin de se chercher à se garer. J'ai trop hâte de vous montrer, j'ai trop hâte. Bon voilà, j'ai terminé de me préparer, il est 9h, donc l'heure d'y aller. Je suis actuellement en train d'attendre pour l'état des lieux, il y a des travaux, ils m'ont suivi. Il est actuellement 10h58, j'espère que ça résonnera pas trop, mais du coup l'appartement est complètement vide. On vient de finir l'état des lieux, donc je vais vous faire un petit tour de l'appart avant qu'on aille chercher tout ce qu'il faut pour nettoyer. Je suis contente, vous le verrez, c'est lumineux. Bon là j'ai allumé la lumière. Je vais vous montrer du coup à partir de là. Je vais vous faire un tour rapide de toute façon parce que là c'est complètement vide. Donc là on est dans l'entrée, on est face à des portes, mais surtout on a la pièce de vie qui est juste là. Bon là il n'y a pas de soleil, donc pour le moment ça tape pas. Elle est super lumineuse, bah déjà parce que vous voyez il y a des grandes baies vitrées tout le long. Et là, au niveau de la cuisine, il y a des fenêtres qui sont juste ici. Ça, c'est vraiment top parce que du coup, c'est super lumineux. C'est ce que je recherchais absolument, que ce soit lumineux comme ça. Là, il y a de la place. Là, je pense que je vais mettre une table, un truc comme ça. Et vous l'aurez sûrement vu, il y a un petit balcon. Ça, je suis trop contente. Et là, je vais installer la partie salon canapé. Donc là, on retourne dans l'entrée. Dans la pièce juste ici, où il n'y a rien d'intéressant à vous montrer, il y a une espèce de petit rangement, dressing, c'est là où je vais mettre la machine à laver. Là, on a la salle de bain, je vous montrerai après, les toilettes, je vous montrerai après. La première chambre qui est juste ici, qui sera, je pense, ma chambre, parce que c'est la plus petite. Et la pièce la plus importante, la plus grande, qui sera ma pièce YouTube, qui est du coup celle-ci, vraiment très très grande, très lumineuse. Vraiment, je suis trop contente, je vais pouvoir vraiment avoir la place de mettre tout ce que je veux mettre. Ensuite, bah du coup, voilà, hein, rien de très intéressant, des toilettes. Et du coup, bah, je vais vous montrer pour finir la salle de bain. Vraiment, elle est grande. Je suis trop contente, bon après grande. On est à Lyon, hein, mais vraiment, il y a carrément de la place. Il y a une baignoire, moi je suis plutôt douche, mais ça va aller bien, c'est tout neuf, donc nickel. Je suis ravie, en plus il y a une petite lumière, je sais pas comment on allume ça, voilà. Voilà du coup, il y a un petit peu de rangement, mais j'en rajouterai sûrement. Et voilà, je suis très contente parce que j'ai enfin de la place, que c'est lumineux. Bah là il y a le soleil, vous voyez, c'est vraiment hyper lumineux. Et donc là, bah, on va partir à l'ancien appart pour aller chercher tout ce qu'il faut pour nettoyer. L'aspirateur, serpillère, tout ça, parce que en fait c'est très très sale vu que ça vient d'être refait, c'est bah, y a la poussière de chantier quoi, donc il faut tout nettoyer. Je pensais pas qu'on finirait l'état des lieux si tard, donc il va falloir se dépêcher un petit peu, et puis bah, voilà. Et demain on ira acheter tout ce qui me manque. Parce que je pense que vous le verrez, notamment dans la cuisine, il n'y a rien du tout. Il faut que j'achète plein de trucs. Je suis très contente. Bon du coup ça y est, on est rentré, on a pris ce qu'il fallait pour nettoyer, et puis bah là on va aller nettoyer l'appartement. Prêt à faire le ménage, il fait super super chaud. Première étape, moi je vais nettoyer ça, vous voyez c'est le rideau de la cuisine. C'est horriblement sale, vraiment, donc je vais m'en voir parce qu'il faut absolument pas que je touche le blanc. Donc moi je vais faire ça, pendant ce temps mon copain nettoie la salle de bain. Qui a beaucoup moins besoin du coup la salle de bain, mais là c'est les rideaux, c'est un truc de ouf. On va essayer avec un produit au savon de Marseille. Bon du coup pour le volet je peux malheureusement pas faire plus. C'est vraiment le plus propre que je puisse faire pour le moment, là j'en ai vraiment marre. Regardez par rapport à l'autre, c'est quand même très bien nettoyé, mais là je vais même pas finir parce que ça fait au moins une heure que je suis dessus. Et ça me saoule. Donc là je vais plutôt faire les fenêtres parce que ça vous voyez c'est plus important, ça c'est plus accessible. Et puis ça je le ferai une autre fois parce que ça me prend un temps fou pour rien.
Petite pause du coup, il est 13h et on va manger parce qu'on a faim, on a très peu avancé. Donc on va manger rapidement et puis on reprend après. Moi j'ai fini de nettoyer les fenêtres du coup. J'ai pas nettoyé cette zone, c'était trop long, mais par contre j'ai nettoyé toutes les fenêtres. Petit sandwich aux légumes. Non mais regardez ma main comme elle est fripée. Et encore ça va mieux. Mais avec le gant ça fait plein de fripures. Bon là du coup on vient de finir de manger mais on va rentrer à l'autre appart. Il faut que je fasse le montage du vlog que vous aurez vu lundi si tout va bien. Parce que là il est 13h24 et c'est censé sortir à 16h. Et comme j'ai eu plein de problèmes il est pas du tout prêt. Donc je vais aller faire le montage et je reviendrai faire le ménage quand j'aurai fini le montage. J'ai du rouge à lèvres là. De retour dans ma grotte sans lumière. On a l'impression qu'il y en a un peu, cet appareil photo est super bien. Oh mon dieu, ma coiffure. Du coup il est 13h39 et je vais me mettre au montage. Pendant ce temps mon copain va déposer 2-3 cartons à l'autre appart. Parce qu'ici on peut même plus circuler tellement il y a des cartons partout. Et comme l'appartement est petit, avec des cartons partout, vraiment on ne peut plus circuler. Donc il va déposer les plus encombrants à l'appart pour qu'on puisse... continuer de vivre pendant une semaine ici et j'espère juste que là mon montage ça va fonctionner parce que hier ça a planté. Hier j'ai fait du montage jusqu'à 3h ou 3h30 je crois du matin et j'ai perdu mais je crois 2h à refaire des trucs que j'avais déjà fait parce que tout plantait. Donc j'espère que ça va fonctionner là. Bon je viens de poster mon vlog et je lis vos retours mais je suis tellement trop contente de vos retours. Mais vraiment, je pensais pas que vous alliez être si heureux, si content pour moi. Mais vos commentaires sont adorables. Bah du coup j'espère que cette série de vlogs va vous plaire. Même si aujourd'hui je me doute que ça va être très long ce vlog. Parce que là du coup il est 16h17 et je vais arrêter de répondre aux commentaires. Je vais pas avoir le choix. Il faut que je retourne à l'autre appart pour ramener les cartons. Mon copain a déjà fait un trajet. Il a emmené plein de cartons. Et ben moi là on va aller faire la suite. On a un rendez-vous. Il faut qu'on soit revenu ici pour 18h30. 18h45 grand max. Bon du coup on vient d'arriver. Mon copain avait déjà emmené tout ça du coup dans le premier voyage. Et ben voilà, on a débarrassé deux voitures. Du coup, vous voyez, quand il y a le soleil l'après-midi, c'est ici. Du coup, ce sera dans la pièce aussi, la pièce que je me servirai pour YouTube. Bon, du coup, là, moi, je vais finir. Ça coulait un peu trop. Je vais finir la salle de bain. Mon copain a déjà fait quasiment tout fait. Il me reste plus que les murs à nettoyer. Donc, je vais faire ça. Ah, mais ça pue le vinaigre, ce truc. Oh, mais non, mais je veux pas ça. Bon là il est 19h30, j'ai terminé mes rendez-vous, du coup je retourne à l'autre appart. Bon bah du coup il est 20h08 et on va encore rentrer dans mon ancien appartement pour aller manger du coup parce que ce qui est pénible c'est que dans cet appart on n'a pas le frigo, on peut pas le mettre tout de suite, il faut attendre dimanche. Donc là on va retourner manger à l'autre appart et puis on reviendra sûrement nettoyer le balcon, c'est le dernier truc qui nous reste. On a réussi à tout nettoyer, que ce soit les sols, que ce soit la salle de bain, tout, on a réussi à tout faire mais il reste le balcon. Là on repart dans le nouvel appart, on va aller finir de nettoyer le balcon. Il est actuellement 21h20, je suis éclatée, j'espère que ça va pas prendre trop longtemps, j'en peux plus. Bon, du coup on vient d'arriver au nouvel appart, il y a une lumière mais de fou. C'est magique. On va nettoyer le balcon, je vous ai dit, parce qu'en fait il est vraiment ultra sale. Le sol est dégueu, mais vous voyez même les fenêtres de l'intérieur c'est dégueu. Normalement j'ai tout nettoyé de l'intérieur, mais de l'extérieur on n'y a pas touché. Donc là on va s'attaquer à ça, on attendait qu'il y ait moins de monde pour éviter d'envoyer des poussières. Mais donc voilà, là on va nettoyer tout ça. Voilà pour vous montrer comment c'est avant. C'est bien sale, on a déjà commencé à faire un petit tas de poussière. Mais vous voyez, c'est sale, même jusqu'en haut. Là, c'est carrément sale. Vous voyez, j'ai passé un coup de balayette ici, ça se voit clairement. Il commence à faire nuit, donc on ne voit plus trop. Mais on commence à voir la couleur du carrelage. C'est pas mal. Petit bond dans le temps, on est le lendemain, mais hier soir, on ne voyait plus rien, je ne pouvais pas vous montrer. Vous voyez comment c'est beaucoup plus propre.
Bon, c'est encore très sale là-bas, mais comme je vous ai expliqué, on ne pouvait pas envoyer l'eau sale sur les balcons du dessous. Donc il faut qu'on s'occupe encore de ça, mais c'est quand même mille fois plus propre qu'hier. Bon là, il est 22h47, on est toujours à l'appart, mais là on a fini de nettoyer. C'est vraiment pas propre, mais comme on ne veut pas envoyer l'eau sale sur les balcons du dessous, à chaque fois on éponge et ça prend un temps fou, c'est beaucoup plus dur. Donc pour le moment on va s'arrêter là, on verra si je trouve un sol, parce que mon idée c'était de mettre un autre sol sur le balcon, mais c'est juste que là niveau budget ça va commencer à faire beaucoup. Donc je verrai ce que je trouve demain, puisque du coup je vous ai pas dit, je sais plus, peut-être que je vous l'ai dit, mais demain le programme c'est d'aller faire les magasins pour trouver tout ce qui me manque et qui est indispensable. Je vais pas tout acheter d'un coup, par exemple le lit c'est pas indispensable, je vais reprendre juste mon matelas. Par contre ce qui est indispensable actuellement c'est un dressing, parce que là il n'y a aucun rangement et du coup il faut acheter un dressing pour vider les cartons. J'achète aussi des poêles à induction parce qu'ici c'est une plaque à induction, mais ça c'est un petit détail. J'ai une table et du coup là j'étais en train de regarder, de mesurer et tout pour voir, je trouve aucune table qui me plaît, donc je vais maintenant si je vois quelque chose en magasin, et puis acheter tout ce qu'il faut pour le balcon. Je voulais juste répondre à une ou deux questions qui sont revenues en commentaire sous ma dernière vidéo, même si j'ai pas du tout eu le temps de tout lire. Il y a quelques questions, c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler. Ce qui est revenu c'est: est-ce que je suis encore à Lyon? Oui, je suis encore à Lyon, j'ai changé un petit peu de quartier, mais je suis restée à peu près dans la même zone. Je vous ai dit, je voulais absolument pas quitter la ville, donc je n'ai pas quitté la ville. Et la deuxième question qui est revenue, c'est pourquoi j'hésitais à... Attendez, mais je vais me mettre à la lumière. C'était pourquoi j'ai hésité à prendre celui-ci, parce que l'autre appartement sur lequel, pour lequel j'hésitais, il avait une pièce entière dressing, il avait une place de parking, il avait des choses en plus, mais il avait aussi 10 mètres carrés en moins, il n'était pas dans Lyon. C'est pour ça que j'hésitais. Mais là j'ai été convaincue par l'exposition, enfin il est vraiment hyper lumineux et c'est tout ce que je recherchais. Voilà, là on va rentrer, du coup il est 22h50, on va rentrer à mon autre chez moi et on va aller se coucher. Là je n'en peux plus, on a fait une nuit de 4 ou 5 heures. On va se coucher et du coup on se retrouve demain pour moi et jeudi soir pour vous. Bisous!